Au fanion ! En 1940, la fourragère aux couleurs de la Légion d'honneur qui compte. Aujourd'hui, chaque bataillon en reçoit la garde pour un an. Chef Thierry Moret, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je me rends compte, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Ouvrez le bord. Sergent Kevin Corret.
Au nom du ministre de la Défense, nous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Engagé, pris à partie par des insurgés, en dépit du danger, a gardé son sang-froid et commandé avec fermeté et précision la riposte, mettant ainsi fin aux hostilités. Le caporal-chef Thierry Pépoulin, c'est également... Caporal-chef Raphaël Bassé. Ordre du jour numéro 27. Officiers, sous-officiers, drapeau dont vous assurez depuis la garde tournante. Orné en lettres d'or de 13 noms de bataille. Je voudrais d'ailleurs adresser mes plus vives félicitations aux officiers, sous-officiers et chasseurs. Près de la frontière algéro-marocaine, sachant l'émir en mouvement vers l'Algérie, envisage de l'affronter à la tête d'une colonne de 60 cavaliers du 2e régiment de hussards. Il fait face avec l'escadron qui charge l'ennemi, mais succombe sous le nombre. Les trois compagnies de chasseurs forment le carré, puis essaient de se dégager par charges successives de compagnies pour être finalement anéantis après 3 heures de combat. Le secours de la compagnie décide de gagner la Kouba du marabout Sidi Ibrahim El Bedaï, construction flanquée de quelques figuiers et entourée d'un mur de cour et 3 nuits. Ces 80 chasseurs et le hussard Nathalie vont résister par tous les moyens à la base des assaillants jusqu'à épuisement des vivres et munitions. L'emblème mis en place par le caporal Lavessière et le chasseur Strapodi. Puis le capitaine Duterte est amené, chargé d'exhorter les chasseurs à se rendre. Au lieu de cela, il leur dit de se faire tuer jusqu'au dernier. Il est alors décapité. D'autres prisonniers sont amenés avec la même mission. Le caporal Lavessière leur crie de se coucher et déclenche une fusillade qui mitraille l'escorte d'Adel Kader. Chasseurs, je confie pour une durée d'un an la garde de votre drapeau au 13e bataillon de chasseurs. Fermez-vous. Thank you.
Bravo le 7. Bravo le 16. Il y a le 27. Bravo les anciens. Bravo les anciens. Bravo René, bravo Alain, bravo Philippe,